Vous le constatez comme moi, en direct, les conditions sont idéales. Bonne pelouse et public vraiment sympa. L'ambiance est superbe, le stade est vraiment multicolore. On devrait bien s'éclater. Il va pouvoir marquer. Le ballon sort en touche. Encore une belle occasion. Dégagé pour l'instant. Nouvelle occasion de centrer. Il vient renforcer ses attaquants. Superbe ballon. Ça se joue à pas grand chose, mais il est hors jeu. Il est bien en jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Le ballon a franchi la ligne. Dégagement. Le ballon sort à nouveau du terrain. Faute incontestable. Il manque vraiment de coordination. Joli décalage. Va-t-il frapper? C'est bien défendu, le danger est repoussé. Il y va trop fort, coup franc logique. Encore une belle occasion. C'est une frappe. Corner. Excellent travail de pressing de la part de la défense. Il envoie au milieu de la surface. Et but. Ils sont bien rentrés dans ce match. C'est toujours important de marquer au début. En tous les cas, Christian, ce but de la tête, on ne sera pas venu pour rien. On a même oublié dans notre commentaire que ce joueur, il avait les pieds en croissant. Il mène grâce à ce but. Voilà qui va faire plaisir aux supporters. Ça, ça va donner de l'élan à l'équipe. Ça va les pousser à essayer d'en marquer un autre. Et il y a encore du temps avant la pause. Ederson. Nouvelle occasion de centrer. C'est dégagé. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Encore une occasion de centrer. Il dégage des coups de tête. Il frappe au but. Encore une occasion de but gâché.
Ah, je pense que c'est un peu précipité. Il avait le temps de tout faire. Ouais, c'est vrai que d'en haut, nous, on a le temps de voir les choses. Le déclic, ce serait un but, mais ça ne vient pas. Il faut vraiment du mordant chez les attaquants. Il vise la cible. Le goal a la situation en main. On passe d'une aile à une autre. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. C'est un ballon gagné. Il a mis le pied sur le ballon. Un ballon bien envoyé au-dessus. Quelle belle occasion! On appelle ça l'esprit d'équipe. Première intervention du gardien et le défenseur qui dégage. Nouvelle occasion de centrer. C'est une balle d'égalisation. Le goal a dégagé le ballon. Corner. Le ballon est travaillé vers le but. L'attaque ne donnera rien. C'est malin. Ça chauffe dans la surface. Frappe de la tête. Là, il y aura corner. Qui va le prendre dans la surface? Le but est marqué. Le but est valable. Il double la mise au cours de cette première période. C'est vraiment bien joué. Et quand on connaît son jeu de tête, si tu oublies de le marquer dans les 18 mètres, t'as plus qu'à regarder le tableau d'affichage. ...2-0, c'est vraiment une bonne avance. Bon, c'est sûr, ils ont augmenté leur avance. Vous connaissez l'entraîneur, je peux vous dire. Je doute qu'ils veuillent ralentir la cadence. Il faudra qu'ils continuent, qu'ils appuient, qu'ils continuent à attaquer. Que les attaquants fassent leur boulot et mettent l'adversaire en déroute. Oui, il était bien hors jeu. Bien vu l'arbitre assistant. Ils peuvent construire quelque chose. Coup franc intéressant pour leur adversaire. Il y a plusieurs possibilités. Quelles sont les options? Il le touche de la tête. La touche finale laisse vraiment à désirer. Il peut surprendre et marquer. L'attaque est stoppée, ça ne donnera rien. Superbe ballon. Encore une occasion de centrer. Ils se défendent bien. C'est un défenseur qui est venu prendre le ballon. Joli appel en profondeur sur le côté. C'est pas si mal, mais ça passe à côté. Et dans ce genre de centre, fort devant le but comme ça, il manque toujours rien pour le mettre au fond. Il aurait fallu qu'il chausse d'une pointure de plus et c'était bon. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain.
peuvent construire quelque chose. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. La défense ne sait plus où donner de la tête. À mon avis, elle va craquer une nouvelle fois. Il doit tromper le gardien. L'arbitre accorde un corner. Il passe sous le nez du gardien. C'est bien vu. Pas moyen de passer cette fois. Charge irrégulière, coup franc. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. On joue le ballon, pas le joueur. Facile pour la défense. Va-t-il frapper ? Oh, c'est encore au fond. Il mène 3-0 au cours de cette première mi-temps. Et vous avez eu le ballon à frapper le côté droit avant d'entrer. La sa façon dont il regarde ses crampons, je me demande s'il a fait exprès. Le match semble plié. Ils sont vraiment déchaînés. Ils dominent dans tous les compartiments du jeu avec beaucoup d'aisance. À 0, et franchement ça roule tout seul. Ah là, ils sont complètement en train de se balader. Des occasions en veux-tu en voilà. Là, ils semblent concentrés, les affaires sont faites. Le seul danger, c'est d'être trop confiant. Avec cette équipe-là, à mon avis, ça risque pas d'arriver. Va-t-il la mettre au fond des filets ? C'est trop loin du poteau gauche. C'est impossible de marquer de la langue trop fermée. Va-t-il trouver le bon timing ? Pas moyen de passer cette fois. Ederson. La passe a été interceptée et le gardien récupère le ballon. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Nouvelle occasion de centrer. Dégagement. Cinq minutes à jouer, puis l'arbitre sifflera la mi-temps. Ça peut se terminer au fond. Et la frappe part complètement à gauche du poteau. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match, et qu'il allait tirer de partout et qu'il allait faire des frappes à me tuer en voilà. Magnifique! Beaucoup trop dévissé à droite. Le danger est écarté. C'est beaucoup trop physique, coup franc. Une minute de temps additionnel.
Facile pour la défense. Bonne interception. On peut relancer. Il a dégagé. L'arbitre signale la fin des 45 premières minutes. L'entraîneur peut être satisfait de voir son équipe rentrer au vestiaire avec une telle avance. Au moins, il n'aura aucune causerie à faire. Une des équipes a été très productive, 3-0 en première mi-temps. Coup d'envoi de la seconde période, évidemment, on va essayer de tenir compte des consignes qui ont été données. S'il marque sur ce corner, il pourrait maintenir la pression. Ballon travaillé vers la cage. Elle est belle cette passe. La défense devra faire attention sur cette touche. Il est dégagé. Faut pas faire ça. Il peut frapper rapidement. Quelle belle demi-volée! Belle intervention du gardien, mais heureusement également que le défenseur était là. Tout près de la cage. Le ballon est encore en jeu. Bien sauvé par le gardien et bien joué de la part du défenseur qui écarte le danger. Ne jamais oublier de jouer le ballon, pas le joueur. Oui, la demi-volée. C'est encore hors du cadre, il faut s'appliquer. Ça, c'est une reprise de volée. Hein. Le geste parfait. Dommage qu'elle soit passée à côté. Ça peut se terminer au fond. Le tir est décoché. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. C'est très haut. Bien joué, le gardien. Le gardien est en danger. Quelque chose. Oh, que ça va partir vite. Un bel effort pour sortir le ballon en corner. Il l'envoie au milieu de la surface. Bon ballon. Est-ce qu'il peut frapper? Il lâche une frappe. Belle combinaison. Bon blocage par le défenseur.
La défense a récupéré le ballon. Un gros dégagement qui enlève tout danger. L'entraîneur procède au deuxième changement. Il a essayé, mais je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix que de le remplacer. Pourtant, c'est une véritable Warriors d'habitude. Tout danger est écarté grâce à ce beau pressing. Ils sont en totale confiance et ça tourne à la démonstration. Ederson. Oh, c'est trop bon, il peut marquer. Encore un but juste après la mi-temps, il ne s'arrête plus. Ça, c'est du remplaçant. Dès le premier ballon, il marque. Sur chaque fois qu'il touche un ballon, il marque des buts. Je peux vous dire qu'il va faire meilleur buteur de la rencontre et de la saison. Ils sont déchaînés devant le but, 4-0. Et vu le match qu'ils sont en train de faire en attaque, je peux vous dire que les autres équipes, ils ont intérêt de visionner les matchs avant de les rencontrer. Joli appel en profondeur sur le côté. Long ballon en profondeur sur le côté. Bien joué. Et c'est peut-être l'occasion d'ajouter un nouveau but. Le ballon est dévié par la tête du joueur. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Ballon envoyé à hauteur. Hors jeu, les défenseurs vont pouvoir respirer. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Encore une occasion de centrer. Et ils obtiennent un corner. Frappe décochée en direction du but. Quelle frappe! Et il y a faute, c'est sûr, coup franc. Ederson. Il tire vers l'avant. Il va y avoir de la pression dans ce couloir. Long dégagement en avant. Ederson. Bien joué. Il décoche un tir. C'est une belle frappe, mais le gardien l'a bien saisi. Dégagement. Frappe directe. C'est vraiment trop loin du cadre.
Ah ouais, là il y a le gardien qui est en train de remettre un petit peu en place ses défenseurs. Il laisse trop jouer, donc il y a des frappes qui arrivent trop souvent en ce moment. Il tire. La touche finale laisse vraiment à désirer. Pas tous les jours quand même qu'on se retrouve libre sur le terrain comme ça. C'est un but quand même difficile à manquer. Et oui, il faut jouer le ballon, pas le joueur, coup franc. Dans la surface de réparation. Bien joué! Une nouvelle fois bien joué! Ça tourne vraiment à la démonstration aujourd'hui. En venant du milieu, vous avez vu, il a fait un décalage devant. Aucun défenseur ne l'a pris au marquage. Il a pu se retrouver seul et marquer le but. Comme le score l'indique, c'est vraiment un super résultat. Et s'il continue à marquer à chaque attaque, je pense qu'on va avoir un score de rugby à la fin du match. Ballon intercepté et récupéré par l'adversaire. Nous nous approchons du dernier quart d'heure. Il renvoie le ballon au portier. À faute, l'arbitre doit siffler. C'est peut-être l'occasion dont ils ont besoin. Il y a du beau mouvement, de belles combinaisons, mais il faut trouver la faille. Attention, une action dans l'axe. Une solide défense ici. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Ça peut donner quelque chose. Cette équipe a vraiment perdu le nord. Ils sont désemparés. Ils auront bien du mal à refaire leur retard. Canou. Sur le plan tactique, c'est pas mal joué. Maintenant, il faut vraiment trouver la solution. Balle au pied, c'est toujours efficace. Il remonte le terrain. Quelle occasion au nord! Il se défend bien. Pressing super efficace. Bien intercepté. Attention, c'est parti très vite. Il prend sa chance. Oh, juste un peu trop haut. Il m'avait dit avant la rencontre, aujourd'hui tu vas voir que j'ai les deux pieds. C'est le dernier emplacement de la rencontre pour cette équipe. Là, il ne comprend pas pourquoi il sort. Il traîne d'ailleurs les pieds pour sortir du terrain. Espérons qu'il ne rentre pas directement au vestiaire. Ederson. Non, la charge n'est pas bonne, dit l'arbitre.
Il a trouvé le décalage. Le ballon passe au-dessus, il faut viser le cadre. C'est dommage, il avait le temps de faire le bon geste. Mais c'est peut-être ça qui l'a fait déjouer. Il avait plusieurs solutions et je crois qu'il a choisi la mauvaise. Au niveau de la stratégie défensive, c'est bien joué, mais évidemment, les supporters aimeraient en voir plus. Et Canou. Ils peuvent construire quelque chose. Ils ne trouvent pas le moyen de percer cette défense. C'est un défenseur qui récupère le ballon de façon admirable. Il essaie de marquer. Le défenseur était là, il a pu dévier. Le ballon est dans les airs. Mauvaise relance. Le danger est écarté. Encore une occasion de centrer. Oh, il y a faute, mais elle est commise où? Non, c'est en dehors de la surface de réparation. À cette distance. Oh, le tir rase le montant droit. Je veux rien dire, mais ils ont trouvé que lui pour les tirer. Le compte à rebours continue. Bon réflexe, bien joué. Le hors-jeu est évident. Faute et coup franc, logique. Le contre, c'est une arme redoutable. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ce n'est pas avec cette frappe qu'il va effrayer le gardien. Ah, il n'a pas de chance. S'il avait réussi sa frappe, on avait vraiment senti que le gardien était à la pêche. C'est une faute qu'il faut attendre. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Il conserve la possession du ballon. À nouveau une tête. La défense a récupéré le ballon. Va-t-il frapper? Oh, une passe en profondeur dangereuse. Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. En plein milieu de la surface de réparation, ils peuvent encore essayer. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation.
Le gardien peut remercier son défenseur assez efficace. Il y aura une minute d'arrêt de jeu. Ederson. La défense est prise à revers. Ils peuvent construire quelque chose. Bon retournement de situation, il a le ballon. Va-t-il frapper ? C'est terminé. Monsieur l'arbitre siffle, il faut rentrer au vestiaire sur ce score-là. Ils quittent donc le terrain après cette très belle prestation. Ils ont assuré la victoire, normal qu'ils empochent les 3 points. Christian, c'est vraiment un grand moment qu'on vit là.